Salut à tous, footeuses et footeuses de famille, c'est Thomas. Cinquième vidéo, groupe B. On continue notre petit cheminement des 24 équipes de la CAN 2019, hein, du 21 juin au 19 juillet, en intégralité sur la chaîne Thomas Parle Foot, hein, les lives commentés de matchs, les débriefs d'après-rencontre, d'autres surprises. Donc dès maintenant, prenez de l'avance, abonnez-vous à la chaîne, le bouton rouge en dessous, la vidéo, évidemment la petite cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. On part du côté de Nigeria, les amis, et on se retrouve évidemment à la fin de la vidéo pour le petit sondage qui va bien. Un peu de géographie, ça fait pas de mal pour savoir où ça se situe le Nigeria. On est plutôt vers l'ouest, hein, centre-ouest de l'Afrique, avec donc un pays qui contient 190 millions d'habitants. Sa capitale, Abuja, comptait en 2015 1,5 million d'habitants, en recensement 2019 à près de 3 millions d'habitants. Le symbole de l'équipe, les Super Eagles, les Super Aigles. Hein. L'aigle est évidemment le symbole emblématique du Nigeria. Le palmarès de cette équipe, évidemment, on va découvrir ça, vous allez voir un petit peu, avec 18 participations avec cette CAN 2019, 3 fois vainqueur. En 1980, en 1994 et plus récemment en 2013. Donc clairement, le Nigeria fait office de favori dans cette compétition. Un parcours évidemment pour les qualifications avec ces 6 matchs qui a été très positif. Hein, très serré aussi avec l'Afrique du Sud, 13 points. Avec donc 4 matchs gagnés, 1 match nul et 1 match perdu. La dernière victoire contre les Seychelles, 3 buts à 1 avec ce but notamment de Victor Moses à la 90e minute. Le coach qui va emmener cette sélection vers les sommets, nous verrons. Évidemment, c'est le célèbre Gernot Rohr, hein, qui a officié notamment dans les années 90 jusqu'à 2010 même du côté de la Ligue 1 avec beaucoup de clubs, hein, avec Bordeaux, Créteil, Nice, Ajaccio ou encore le FC Nantes. Ensuite, les sélections nationales comme le Gabon, comme le Burkina Faso ou encore le Niger. Donc, encore une fois, c'est un coach vraiment d'expérience pour emmener, comme par exemple le Gabon, il avait réussi jusqu'au quart de finale, pourquoi pas encore plus avec le Nigeria. La poule du Nigeria. Et là, on va voir justement les équipes qui ont été tirées avec donc Madagascar, le Burundi et la Guinée. Donc un groupe plutôt abordable pour le Nigeria, pour vraiment un favori. Avec donc l'ouverture contre le Burundi le 22 juin à 19h. Le match contre la Guinée le 26 juin à 16h30. Et la clôture de ce groupe B avec donc ce match contre Madagascar le 30 juin à 18h. La pré-liste, hein, les joueurs qui ont été sélectionnés, pré-sélectionnés par Gernot Rohr, en attendant évidemment la liste des 23 définitifs, hein, pour par exemple cette année avec ce match amical le 15 juin contre le Sénégal, évidemment à définir et à confirmer. On voit évidemment la présence du Obi Mikel, hein, le Armel Musa aussi, l'attaquant qui a marqué un doublé en Coupe du Monde, Salomon Kalou, on va en reparler évidemment. En tout cas, vraiment, vraiment, vraiment des joueurs tout à fait talentueux. Les joueurs à suivre, la catégorie que vous aimez bien, n'hésitez pas les amis, encore une fois, à mettre dans les commentaires les joueurs que vous voulez suivre ou que vous aimeriez bien suivre pendant cette CAN. J'en ai choisi 3, comme d'habitude, avec donc évidemment Iwobi, Alex Iwobi, milieu de terrain d'Arsenal, qui joue pas énormément avec Unai Emery. En première ligue, il a marqué un but contre Rennes, il a 4 buts toutes compètes confondus, en tout cas, profil intéressant. Ahmed Musa du côté d'Al Nassr en Arabie Saoudite, 7 buts, donc un attaquant ailier ou attaquant de pointe très très rapide. Hein. Et Salomon Kalou qui avait la difficile tâche de remplacer Malcolm parti au Barça, ailier, 5 buts, un joueur vif et assez dynamique et bon dans les dribbles, en tout cas des joueurs à suivre. On repasse évidemment ici pour voir le petit sondage, n'hésitez pas les amis encore une fois à vous abonner à la chaîne, c'est important, à activer la petite cloche de notification pour ne rater aucun début de live ni ne rater aucune vidéo. Partagez la vidéo sur vos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat ou sur les forums de supporters évidemment. Likez la vidéo pour soutenir la chaîne. Et évidemment, le sondage qui va bien. À votre avis, le Nigeria peut-il remporter la CAN 2019? Vous mettez oui ou non et on verra vos tendances évidemment dans une prochaine vidéo. Je vous dis bon après-midi, bonne matinée, bonne soirée. Ça dépend quand vous regardez la vidéo. Je vous dis salut, 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 salut et salut les amis. Ciao.